Salut les amis, motards ou non motards. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier, je voulais remercier mes nouveaux abonnés et mes abonnés fidèles à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Donc on va débuter par une succession de petites vidéos. Donc la première, ça va être une petite promenade avec ma fille. Ça va lui permettre de tester la petite poignée sur le réservoir que je vous avais parlé dans une vidéo antérieure. Donc elle adore. Et puis voilà, on a s'est baladé, donc j'ai bien sûr forcément pas du tout la même conduite quand je suis avec ma fille que quand je suis tout seul. Voilà, ça veut pas dire que quand je suis tout seul je fais tout le temps le cinglé, mais j'ai pas du tout la même voilà, je fais quand même attention, pas n'importe quoi, j'ai ma fille, donc voilà. Donc on y va. Il fait chaud hein. Ah il fait chaud. Attends, tu vas voir quand on va rouler, ça va aller. Et encore il fait chaud, ça va. Franchement, la dernière fois, en plus, ça a chauffé tout le temps. Tu l'as attaché le casque? Bon, allez, vas-y, monte. Monte. Fais attention. Hein. Ah, ben voilà. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est honteux. Là je vais chez Kawasaki pour remettre ma moto en homologation puisque l'ancien propriétaire n'avait pas fait le nécessaire pour la mettre en full homologuée. J'en parlerai dans une autre vidéo. J'avais des sacrés doutes sur la puissance de ma moto. Je trouvais qu'elle marchait très très fort.
Et c'est vrai que quand j'ai l'emmené chez Kawasaki, en fait, ils se sont aperçus que la moto était déjà en feu. Chose que j'avais comme quelques doutes, énormes doutes, malgré que qu'un exemple de comparaison avec une autre ZZR en full. Moi, je pensais que c'était bridé plus au niveau de la vitesse, c'est-à-dire une version bridée en 106 chevaux, elle monte à 250. Et la version full, je pensais qu'elle allait à 300, c'est juste ça. Je pensais que sur l'accélération, c'était à peu près la même chose, mais a priori quand même, la version full, il y a beaucoup plus de reprises. Voilà, donc je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc on va aller voir ça avec ma fille. Et puis, il y avait une petite moto derrière moi, vous allez voir. Bon, j'ai fait une petite accélération. Après, je me suis calmé parce que j'ai ma fille quand même, parce que je disais, je fais pas n'importe quoi. Donc une petite après-midi sympa. On voit que j'ai un collègue motard derrière moi, donc j'ai fait une petite pointe. Hein. J'ai utilisé 15% de la puissance de la ZZR 1400 et je crois que j'étais à 2 km avant. Voilà. Et puis après il me dit, je rappelle que j'ai ma fille quand même. Bon, ça fait pas n'importe quoi. Donc un grand V à mon ami motard qui vient de me doubler. Donc on a fait une petite pointe au début, puis après je me suis calmé. Je rappelle que j'ai ma fille aussi, donc c'est pas n'importe quoi. Donc c'est toujours sympa de voir des collègues motards. Et ma fille a eu peur parce que forcément elle voit pas dans les rétros. Moi je l'avais vu depuis longtemps, dans un moment qu'il était derrière nous. Et donc ma fille, ça lui a fait peur parce qu'il a, un pot d'échappement qui est assez bruyant. Donc elle nous a doublé assez fort et ça lui a fait peur. Elle a doublé. Ah oui, je l'ai vu derrière. Ça fait un moment qu'il était derrière moi. Plus galère, c'est de mettre le... toute la tenue et tout ça. Ça c'est chiant ça. Mais bon, c'est ce que je me dis, si un jour je tombe, ah ouais, non, ça peut me sauver la vie. Ah ouais, non, c'est clair. Moi aussi ça me fait... j'ai mal pour eux. Ah ouais, on va jamais tomber. J'ai vu un truc... Des vidéos comme ça, parce que je regarde aussi des vidéos d'accident à des fois pour me faire des petits rappels. C'est clair. Claquette, short, t-shirt, ouais. Et je me dis, mais les potes, mais là ils savent après. C'est clair. Mais... ah bah tu le regrettes toute ta vie, mais il est trop tard. Essayer, quoi. Ah bah. Je vois même avec, tant même avec des vêtements, hein. Ouais. Des brûlures de... Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Alors t'imagines toi en... Ah oui, bon. Vrai, mais non. Mais genre, bah, alors toujours des petites rencontres comme ça, fortuites. Donc là, je rencontre un gars, en fait, qui est en train de pêcher, super sympa. Et donc c'est un motard, hein, mais il m'a expliqué qu'il n'avait plus de moto pour l'instant. Et on parlait de sécurité, on parlait effectivement de la, les contraintes du motard, hein, effectivement. Faut s'habiller avec le pantalon, avec la veste, les bottes, le casque, enfin, obligatoire, mais les gants, tout ça. Donc c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, c'est un peu contraignant, mais c'est ce qu'on disait, c'est que... c'est quand même c'est notre sécurité, quoi. Si on n'a pas ça, si un jour tu tombes, tu t'en rappelleras toute ta vie, mais il sera trop tard. C'est ça. Il l'a laissé partir, il a voilà. Et heureusement qu'il avait, et voilà, c'est ça. Du bassin, clavicule, le côté sur lequel il est tombé, ouais. Bien mangé. Ouais. Et le reste. Mais ça limite, voilà, ça limitait, parce qu'en plus, si tu as la peau tout congée, comme tu dis, avec les os, enfin, tu vois la hausse, c'est catastrophique. Hein.
ça limite déjà la casse, hein, c'est clair. Donc bon, encore une petite rencontre fortuite comme ça, avec un gars super cool, quoi. Donc voilà, on va la repartir et puis on y va pour une prochaine aventure. Allez, salut! Et puis là, il y a des amis motards qui passent. C'est agréable de rencontrer des motards. Ça fume là. Ouais, ça prend tout, hein. C'est. Ah ouais. Après, ça permet, en cas de. S'il y a un accident, bah voilà quoi. Ouais, voilà. Ça fait froid quoi. Voilà, il n'y a pas de. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est que quand j'étais juste derrière la voiture, ouais. Je discutais avec le gars. Vraiment... J'attendais ouais. Que la personne devant se serve. Coup, hein. Et je discutais avec le gars, et d'un seul coup, il y a une bagnole en fait qui me passe juste devant. Ça, et qui prend la place pour prendre de l'essence alors que j'étais juste devant. Enfin, devant, j'allais arrêter de parler avec le gars. Et me servir en essence, le mec m'a carrément passé devant. Bon, c'est pas grave. Après, bon, il était pas méchant. C'est vrai, je discutais. Alors peut-être qu'effectivement, il a cru que je prenais. Pas d'essence, bref. Ouais, ouais. Bah allez, bonne soirée. Hein. Merci, vous aussi. Non, mais c'est pas grave, j'ai vu. Merci. Bon, j'ai... Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. En même temps, je parlais, donc j'ai pas. Pas de problème. Bonjour. La belle soirée. Comment? Ouais, merci, c'est gentil. Non, un 1400. 1400, ouais. Non, il y en a... c'est vrai que les ZZR, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas des masses ici dans la Sarthe, là. Non. On n'est pas d'ici, mais. Il n'est pas de Calais. D'accord, dans le Nord. Je suis venu plusieurs fois quand j'étais jeune, je suis venu au Mans parce que je faisais de la course. D'accord. Ah ouais, c'est bien ça. D'accord. Ouais, je suis toujours à consommer une moto. Ah, c'est bien ça. Vous avez une moto encore, hein? J'en ai 10. Ah oui! C'est un collectionneur de. D'accord. J'ai plutôt des motos anciennes, on va dire. Ouais? Ah d'accord, c'est cool ça. Ouais. C'est bien ça. Super. Alors, j'ai venu ici au Mans, j'ai couru sur un Morbidelli. Ah ouais? 125 ans. Ah ouais? D'accord. J'ai eu des TZ, des Yamaha ah ouais. TZ, hein. Mais enfin, c'était autant. Oui, bah oui, bah il y a un petit peu de temps, mais bon. Encore une belle rencontre avec un. Un ancien pilote de moto, donc qui a couru aux 24 heures du Mans, qui a fait plusieurs, pas mal de circuits. Donc c'était vraiment intéressant de discuter avec lui. Et très enrichissant. C'est toujours. Ça m'épate toujours, moi, les gens comme ça. Donc, en plus, super sympa. Donc on a échangé. Donc bah voilà, c'est plutôt cool des rencontres comme ça. Alors j'ai pas mis l'intégralité de la vidéo parce que c'est assez long. Mais voilà, je voulais mettre ce petit morceau-là.
Moi, je sais ce qui me pend au nez, c'est que genre, bah ouais. J'aurai sûrement un retrait de permis, je m'en doute, parce que permis. Je vais être franc, je respecte pas tout le temps les... Après, j'essaie de rouler à 90, mais il y a des fois, ça m'arrive, il y a une belle ligne droite, bon, ça nous appelle, quoi. Ouais, et l'adrénaline, elle est là, et puis, bah voilà, après, je le fais pas tout le temps, je suis... voilà. Et c'est pareil, je suis pas un taré, mais c'est vrai que des fois, bah, j'ai envie de me faire plaisir. Je le fais quand c'est possible. Il y a des fois où je me dis, voilà, je prends pas de risque, je prends pas de risque inutile. Quand il y a une belle ligne droite, il n'y a pas de danger pour personne. C'est vrai que je me fais plaisir. Quand je dis, il y a beaucoup de voitures, je dis, voilà, je roule tranquille. Sur autoroute, quand même. Voilà, sur autoroute, on peut. Ouais. Mais bon, bah voilà, il y a toujours on n'est pas à l'abri qu'il y a un radar qui est caché quelque part, et là tu te dis, bah c'est terminé, fini la moto, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est. Poussé à combien ça? Ça monte, je vais jamais pousser, honnêtement, je vais jamais pousser. Bah, ça prend 300 bridés, quoi. Elle prend 300 dire. Bridés parce qu'elle est bridée à 300. Comment? Ouais, j'allais dire 300. Ouais, elle prend 300 d'origine en full. Enfin, en fait, à partir de 2012, elles sont bridées à 106 chevaux. Après, on peut les mettre légalement en full, parce qu'il y a l'ABS. On peut les mettre en full, et donc ouais, là, elle passe les 300. 200 chevaux. Ouais, elle fait 200 chevaux, c'est ça. 220 avec l'air forcé. Et Kawasaki l'a bridée à 300. Ah ouais. Voilà, d'origine. Et donc ouais, c'est pour ça que bah, ça marche. L'avantage, c'est que bah, ça a énormément de couples et de reprises, quoi. C'est phénoménal, quoi. Il n'y a pas besoin de rétrograder, de descendre une vitesse, ça repart tout de suite, quoi. Ah. Ça, c'est génial. C'est un 1400. Il y a un système de rétrogradage et tout ça automatique, là. Non, j'ai pas de shifter, j'ai pas tout ça, moi. Non, elle est... ouais, non, j'ai pas ça, moi. J'ai pas. Je pourrais en mettre un. On peut en mettre un dessus sur la ZZR, mais moi, j'aime bien passer les vitesses. Ouais. Et puis j'ai pas forcément besoin, parce que comme je dis, elle a énormément de reprises. Donc j'ai pas gagné énormément là-dessus. Hein. Je reste en cinquième, ça repart tout de suite. Oui, sur circuit en promo sport. Oui. C'est obligatoire. Voilà. Ouais, parce que c'est vraiment un dixième de seconde, machin, c'est important. Quoi. Ouais. Mais pour rouler tous les jours, bon après je dis pas que je le ferai pas un jour, mais bon, c'est pas dans ma priorité. Quoi. Mais c'est sympa entre passionnés de moto. Hein. C'est toujours. Toujours sympa de discuter avec quelqu'un qui aime la moto. C'est génial ça, c'est super. Bon bah moi je vais continuer la progression. Que j'avais, là... enfin, c'était dans les années 80. Ouais. Elle sortait 42 chevaux. D'accord. Et en vitesse de pointe, elle poussait à aller à 220. Ah ouais, quand même. Ah, ça marchait fort. 75 kg. Ah bah oui, voilà, rapport poids, ouais. Rapport poids puissance, ouais. Ah oui, c'est sûr. Et le prix, alors là. Ouais. Bah vous êtes à côté, bah ouais. Super, bah bonnes vacances alors. Salut. Merci, au revoir. Destinés, on était tous les deux destinés. C'est du pur bonheur cette moto, elle couture, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est incroyable. Le problème c'est l'adrénaline, on a un coup d'adrénaline de temps en temps comme ça et pouf. Lâche les gaz et hop, elle part. Elle peut être violente comme elle peut être très douce. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. En tout cas, c'est du pur bonheur cette moto. Après, il faut faire attention parce que effectivement, on est toujours au-dessus de la légalité. Donc, il faut rester toujours vigilant avec le compteur et c'est ce qui n'est pas forcément évident à tenir. Ça m'arrive des fois comme de dépasser un petit peu. La vitesse un petit peu beaucoup, voilà, sans commentaire. On va se quitter sur cette dernière vidéo. Bon, franchement, vous allez voir, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout, et puis j'aurai des petits accessoires à vous montrer, une alarme et puis des petites LED supplémentaires à mettre sur votre moto si vraiment, et ça ferait franchement, mais ça doit faire terrible la nuit. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo et puis on ira faire des petites balades en moto. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, à tout ce que vous voulez, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut les amis.
Alors, je roulais, et puis d'un coup, je regarde dans mes rétros, qu'est-ce que je vois à l'arrière, derrière moi? La gendarmerie. J'ai l'habitude, je les vois souvent en ce moment. Mais là, aujourd'hui, je les ai vus énormément de fois. Et je me suis dit, ça se trouve, j'ai fait un excès de vitesse. Bon. Et puis, d'un coup, ils mettent les gyrophares comme la dernière fois. Et là, je me suis dit, d'ailleurs, en montant peut-être dans la vidéo, je pense que ça doit être pour moi. Je vous laisse regarder la vidéo. Finalement, c'était pas pour moi, mais franchement, j'y ai cru pendant un moment. Après, je sais que ça me pend au nez, ça, de toute façon, moi, je sais que de temps en temps, bah, j'ai tendance à un petit peu accélérer. Après, j'essaye de respecter, mais un minimum, mais il y a des fois où j'ai un coup d'adrénaline, et vous savez ce que c'est, vous, motards, on se comprend. Et ceux qui possèdent cette fameuse moto qui est incroyable, mais moi, les sensations qu'elle me procure, c'est... Moi, je suis en transe quand je suis sur cette moto. On fait qu'un avec ma moto. Et je suis complètement bluffé par la puissance qu'elle a, parce que dès qu'on accélère, elle a une reprise mais phénoménale. C'est un monstre absolu. C'est hallucinant.